أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Vous savez, les gens comme Hassan et Hussein qui rejettent ce hadith, vous verrez que c'est toujours à cause des koufars. Tellement ils sont faibles, ils ne peuvent pas réfuter les mécréants. Lorsqu'ils viennent leur dire, votre religion ordonne de tuer les gens, hein, vous forcez les gens à être musulmans, voilà un hadith de votre prophète qui dit ceci, cela, comme ils sont incapables de réfuter ça, le moyen le plus facile, le plus court qu'ils ont trouvé, c'est de dire c'est daïf, c'est faible. En fait, ces gens-là, comme j'ai dit souvent, leur religion, c'est comme si elle est basée sur l'approbation des koufars, des mécréants, des koufars. Si les koufars réprouvent quelque chose qui est venu dans la sunna, eux aussi vont réprouver, ils vont dire c'est daïf, on ne prend pas. Si c'est venu dans le Coran, ils vont chercher une interprétation qui va dans le sens des koufars. Subhanallah. Ça, c'est quelle religion que vous pratiquez là? Ce sont maintenant les koufars qui vous dirigent, qui doit vous montrer comment vous devez penser dans votre religion. C'est comme on a vu des gens concernant le hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où on dit que le prophète a dit, attention à la viande de vache. C'est une maladie. Ils sont venus, ils ont dit, non, le hadith est daif. Comment ça, c'est une maladie. Alors que les gens mangent cette viande-là, etc. Lorsque les koufars ont commencé à parler de ce qu'on appelle la vache folle, ils ont dit, oh, le hadith est authentique, le prophète nous avait déjà parlé de ça, hein. Le prophète nous avait déjà parlé de ça depuis le hadith authentique. Et chaza. Donc si les koufars disent que c'est bon, on dit c'est bon. Si les koufars disent que c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Et bien évidemment, ce hadith fait l'objet d'un grand débat entre les savants. Il y a des savants qui estiment que ce hadith il est daif. Ce hadith qui dit que qu'il fait attention à la viande de vache, c'est une maladie. Il y a des savants qui voient que c'est daif, comme le cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et d'autres qui voient que c'est authentique, comme le cheikh Al-Albani. Bref, le débat ici n'est pas de savoir est-ce que le hadith est authentique ou pas. Mais c'est juste pour vous montrer que ces gens-là, leur religion, c'est comme si elle est conduite par les koufars. La même chose avec le hadith de la mouche qui tombe dans le récipient. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Beaucoup ont réfuté ce hadith. Ont rejeté ce hadith. Mais lorsque certains chercheurs allemands ont démontré qu'effectivement dans l'une des ailes de la mouche se trouve un poison et dans l'autre le remède, ils sont revenus et ont dit « Oh non, le hadith est authentique !» Le prophète Mohammed, notre prophète nous avait parlé ça depuis. Hein? Il nous avait déjà parlé ça depuis. Subhanallah. Ce sont maintenant les koufars qui authentifient vos hadiths. C'est quoi ça? Comment pouvez-vous vous montrer aussi vulnérable devant des mécréants? Pitié, hein? Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Notre religion, les frères, n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. S'ils réprouvent quelque chose, on rejette. S'ils acceptent, on accepte. Les choses. Tu t'es converti, tu es rentré dans l'islam, c'est à cause des koufars. Tu es musulman, c'est à cause des koufars. Les koufars, les mécréants n'ont aucune leçon à nous donner par rapport à notre religion. أنا لست صوفيا أطوف بقبة